"Bonjour! This is Laetitia, and you are listening to Cultivate Your French Podcast, the slow version of One Thing in a French Day Podcast. I hope you are well and happy. This is a bonus episode. A few days ago my family and I went for a walk in Paris, from Notre Dame to the Eiffel Tower. The weather was wonderful, and walking in Paris after Lockdown was a wonderful experience. People were happy and relaxed. In this episode, you are going to listen to the first part of our promenade. The free transcript of the 3 episodes is available to cultivate your French subscribers and to the Nouvelle de French Day subscribers. This is the free newsletter of both my podcasts. Thank you so much for your enthusiasm about the podcast. Allez, c'est parti. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. De Notre-Dame à la Tour Eiffel, première partie. Ce matin, je regardais la Tour Eiffel par la fenêtre. Pietro, ça te dirait qu'on aille faire un tour à Paris cet après-midi à Paris a dit Lisa en s'approchant. Où voudrais-tu aller m'a demandé Pietro. On pourrait aller se balader vers Saint-Michel. À 14 heures, Félicia, Lisa, Pietro et moi quittions la résidence en voiture. Trente minutes plus tard, nous nous garions devant Notre-Dame. Il faisait un temps magnifique, une température idéale pour se balader avec un petit vent sympa. Il y avait du monde, mais pas trop. Nous sommes allés sur le parvis de Notre-Dame pour prendre quelques photos. Puis nous avons traversé la Seine. Nous sommes passés devant la librairie Shakespeare and Company. Et de là, nous avons rejoint la place Saint-Michel. En remontant le boulevard, nous sommes passés devant la librairie Boulinier. C'est une librairie qui ne vend que des livres d'occasion. Elle fait partie des institutions du quartier Latin. Elle est ouverte depuis 1938. Malheureusement, elle va devoir fermer. C'est ce que m'a confirmé le caissier à qui j'ai tendu une pile de livres choisis par les filles. Oui, notre bail n'a pas été renouvelé. C'est triste pour les livres et les lecteurs, mais c'est comme ça. Mais nos autres librairies à Paris restent ouvertes. Et maintenant, à vitesse normale. Ce matin, je regardais la Tour Eiffel par la fenêtre. Pietro, ça te dirait qu'on aille faire un tour à Paris cet après-midi À Paris a dit Lisa en s'approchant. Où voudrais-tu aller m'a demandé Pietro. On pourrait aller se balader vers Saint-Michel. À 14h, Félicia, Lisa, Pietro et moi quittions la résidence en voiture. 30 minutes plus tard, nous nous garions devant Notre-Dame. Il faisait un temps magnifique, une température idéale pour se balader, avec un petit vent sympa. Il y avait du monde, mais pas trop. Nous sommes allés sur le parvis de Notre-Dame pour prendre quelques photos, puis nous avons traversé la Seine. Nous sommes passés devant la librairie Shakespeare Compagnie, et de là, nous avons rejoint la place Saint-Michel. En remontant le boulevard, nous sommes passés devant la librairie Bouligné. C'est une librairie qui ne vend que des livres d'occasion. Elle fait partie des institutions du quartier latin. Elle est ouverte depuis 1938. Malheureusement, elle va devoir fermer. C'est ce que m'a confirmé le caissier à qui j'ai tendu une pile de livres choisis par les filles. Oui, notre bail n'a pas été renouvelé. C'est triste pour les livres et les lecteurs, mais c'est comme ça. Mais nos autres librairies à Paris restent ouvertes. Cultivate Your French bonus numéro 1, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour la suite, le bonus numéro 2. A bientôt Au revoir